Bonjour. Le mot que je voudrais vous présenter aujourd'hui est le mot dars. Dars, qui désigne un bassin rectangulaire à l'abri d'un port où l'on peut y faire réparer son bateau en toute sécurité. Vous connaissez peut-être la dars de Toulon ou la dars de l'Arsenal de Venise. D'ailleurs, quel lien y a-t-il entre dars et arsenal? Eh bien, les deux sont dérivés du même terme arabe dar as-sinara, qui signifie la maison mot à mot, la maison de la fabrication ou l'atelier. Donc le terme dar as-sinara est passé par le génois darsena pour désigner justement ce petit bassin rectangulaire à l'abri des ports. Donc vous y penserez lorsque désormais vous passerez ou vous visiterez la dars de Toulon, ou bien alors pour les Parisiens un petit peu plus proche d'ici, proche de la place de la Bastille, le port de plaisance de l'Arsenal.